c'est vraiment un plaisir pour l'œil que de découvrir cette campagne vendéenne qui est toute simple, mais qui quand même qui manque pas d'intérêt. Hein. Il faut savoir la comprendre, la saisir. Il faut que l'œil soit partout, mais il faut qu'en même temps il aille à l'intérieur des choses. Comme plus tard, l'œil ira à l'intérieur de la toile. Voir, percevoir afin de concevoir. Telle est la devise de Raphaël Toussaint depuis qu'il a commencé à peindre il y a 30 ans. Mais en même temps, comme le définit si bien son ami Paul Gut, ce prince du regard s'avance masqué. Masqué derrière son pseudonyme, car Raphaël s'appelle en réalité Jacques Delacroix depuis ce 25 avril 1937 où il naît à La Roche-sur-Yon. Dès son plus jeune âge, il est attiré par la musique et la peinture. De ces deux vocations et au gré des circonstances de la vie, se révèlent deux hommes. Mais deux hommes animés de la même foi, de la même sensibilité, qui sont en fait le reflet de l'âme de l'artiste et qui exaltent sa passion pour l'amour du beau. C'est l'époque de la fraîcheur et de la naïveté. Raphaël est parti sans connaissance de base, en s'exprimant juste pour son plaisir et son bonheur. Et il l'a fait comme le faisaient les peintres du dimanche, cher au douanier Rousseau, hein, c'est tout à fait début de siècle. Il l'a fait avec son chevalet, il partait sur des motifs et il improvisait. La naïveté, elle est bien sûr dans les erreurs de perspective. La naïveté se trouve aussi dans cette façon de camper les personnages tout à fait uniques, et puis dans ce souci d'aller jusqu'au fond du détail. C'est pour ça que si vous regardez le menu, vous lisez les radis, le poulet, la salade, et on a là résumé toute l'œuvre de Toussaint. Le titre, c'est « L'auberge du bonheur ». Et l'œuvre de Toussaint, c'est un peu l'auberge du bonheur aussi. Chacun y vient y trouver, y puiser son plaisir et un petit peu sa joie. Et c'est une philosophie.